Alors, on a travaillé dans la catégorie attractivité et c'est en commun avec le service RH. Donc, c'était vraiment un projet commun, service RH et serveur communication de EasyGo, qui ont travaillé depuis plus d'un an maintenant sur l'attractivité, la marque employeur et la stratégie de communication interne. Alors, c'est vrai que le dossier, c'est près de 100 heures de travail. On n'avait pas imaginé le temps que ça pouvait prendre, mais on a vraiment mis toutes nos âmes. On était 5 à travailler dessus, donc toutes les personnes qui ont travaillé donc, sur ce projet. On s'est beaucoup réunis au départ. On va dire quoi? Comment on va le dire? On ne voulait pas simplement écrire notre histoire, on voulait aussi la raconter. Et c'est pour ça qu'on a fait un mix entre les textes, entre la preuve, avec des données, des statistiques, des tableaux, mais aussi avec des anecdotes filmées, parce que derrière chaque projet, il y a toujours une personne, il y a toujours une anecdote, il y a toujours un petit moment off. Et on voulait que, à travers toutes ces pages, on puisse voir aussi notre âme. Hein, et j'espère qu'en tout cas, le jury a pu prendre plaisir à la lecture de ce dossier. Alors aujourd'hui, on est 560 répartis sur le Grand Est, 25 agences dans le Grand Est et à Paris. Effectivement, comme tous les autres cabinets de la profession, on a aussi ce déficit d'attractivité, le déficit d'image. Mais avec EasyGo, on pense sincèrement que chaque cabinet doit être acteur en fait, de ce renouvellement d'image de la profession. Et nous, on œuvre au quotidien avec ça. Et c'est pour ça que dans notre stratégie, on met l'humain au centre de tout. On le met dans nos communications externes parce que c'est également le cas avec nos clients. Mais ça l'est pour l'interne parce que dans toutes nos communications, ce sont nos salariés. Dans notre site internet carrière, ce sont nos salariés. Et tout ce qu'on invoque dans le dossier ou dans notre com, hein, finalement, hein, et ben, toutes les preuves sont faites par nos salariés. Et c'est ça, en fait. À un moment donné, une personne disait l'authenticité. Une fois qu'on est authentique, une fois qu'on dit la vérité, en fait, ça devient facile. Et oui, effectivement, je ne dis pas que c'était facile, je dis juste que ça coulait de source.